Bonjour YouTube, bienvenue sur un nouvel épisode de Eleven Eleven Memories Retold. On se retrouve après un épisode à l'ambiance pesante et on se retrouve au matin de la bataille qu'on a entendu les rumeurs, que ce soit du côté de Harry ou Kurt quand il était dans les tunnels, a pu entendre l'état-major en parler et le chat. Le chat a choisi de commencer cet épisode par Kurt. Et on va commencer par Kurt. Et comme le souligne Guitou dans le chat, l'ambiance retombe de suite. Ça nous fait plonger dedans. C'est vraiment bien. Et effectivement, le jeu travaille beaucoup ces ambiances. Et c'est vrai qu'il y a deux épisodes, par exemple, on était dans un côté très camaraderie. C'était très insouciant, très on rigole, on sourit, etc. Et après, on passe à l'épisode se terminait par l'exécution d'un prisonnier allemand au-delà de toutes les règles. Et on passait au niveau des tranchées avec Harry. Et là, l'ambiance devenait déjà un peu plus lourde, des visages plus émaciés, des gens qui ont faim, qui en ont marre, qui en peuvent plus. Qu'il nous l'exprime à travers les dialogues et au fur et à mesure de ce chapitre, la musique a joué beaucoup aussi dans ce côté très pesant et cette ambiance, et on tombe vraiment dans l'horreur de la guerre. Finalement, du côté de Harry, c'est un petit peu l'insouciance de cette guerre qui est lointaine, qu'on ne voit que dans les journaux, de ce que les journaux veulent montrer, et il s'en rend compte petit à petit en étant plongé au cœur même de cette guerre. Et But c'est I parti will pour Kurt. help if I can in the battle ahead. Schnapp dir das Periskop, Kurt. Wo sind sie? Such mir ihren Offizier. Töten oder getötet werden, Jungs. By the time you receive this letter, I may no longer live. If that happens, know that I loved you. All my love, Kurt. Alors oui, il faudrait que j'aille tout de suite au périscope, mais d'abord les petits papiers. Croyance. Pour accepter de sortir des tranchées et courir sous le feu ennemi, alors que les chances d'y rester sont très importantes, les soldats ont besoin de se raccrocher à quelque chose de puissant. La religion chrétienne est partout, des deux côtés. Les deux mantras étaient d'ailleurs Dieu avec nous ou God with us pour les alliés, tandis que les Allemands utilisaient Gott mit uns. Des prêtres sont présents sur le front et donnent une bénédiction avant la bataille. Beaucoup de soldats qui n'étaient pas pratiquants chez eux deviennent plus religieux devant l'épreuve de la mort. L'alcool est également très utilisé pour calmer la peur et chaque soldat reçoit une dose importante par jour. Avant de partir à l'assaut, on distribue de l'alcool fort aux soldats dans les tranchées. Du côté allemand, les hommes croient au caractère sacré de la patrie, une terre qui appartient très aux Prussiens. Du côté des Britanniques, l'empire et la gloire du roi sont largement utilisés à des fins de propagande. Es ist zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Alors, le petit tic-tac, hein, ce n'est pas votre montre qui fait du bruit, c'est dans l'ambiance. Kein Zutritt. Befehl des Kommandeurs. Gott, hilf mir, Kurt. Ich zittere. Wie soll ich mit diesem Ding bloß ziehen? Beiß die Zähne zusammen und denk an zu Hause. Darum sind wir hier. Kurt, das Periskop, sofort! Ich muss wissen, wo sie sind. On va aller chercher. Kurt, das Periskop, sofort! Ich muss wissen, wo sie sind. Sie kommen! Los geht's! Get to cover! Get down and wait for them to reload, lad!
c'est pas passé loin ça. Et tu crois que c'est vraiment le moment? Et on va aider Lothar, notre ami Lothar. Attends, arrête, il y a un papier. Ok, ils ont rechargé. Bon, je vais le suivre, hein. Je te lis, Mafia, une fois que ça se calme un peu. Ok, on va aller voir Bruno. Est-ce que je peux... passer. Et... Danke. Wir werden verlieren. Ich weiß es. Merci pour le câble. Problème de collision. Petite pause, barbelé. Ah oui, le film, oui. Je vois de quel film tu parles, Mafia. Avec la trêve de Noël, pour YouTube. No Man's Land, l'endroit le plus célèbre et le plus redouté de la Première Guerre mondiale est certainement le No Man's Land. Cette zone minuscule qui sépare les deux lignes de front ennemis. La structure et la conception ingénieuse des défenses et des pièges de cette zone ont évolué au cours des 4 années de guerre. La quantité de fils barbelés déployés par les deux camps est astronomique. Les barbelés sont installés de nuit pour que les soldats ne soient pas repérés par des snipers ou tués par des grenades. Ces défenses en barbelés sont devenues le symbole de la Première Guerre mondiale et ont été immortalisées par des photos artistiques, quoique horribles, de soldats morts restés coincés dans les fils. Allez, on suit. Harry? Harry! Harry, we can't stay here. We need to move. Get a grip, lad. Think of your girl back home. This is it! Forward! For the Empire!
We read about it in books. The white light, surrounded by the dark. Was I dead? Worse, I was still at Vimy. Scheiße! Et on a sauvé Lothar, donc du coup on a eu un petit succès. Donc on se dépêche, on court. Je vais essayer de pas trop dévier de ma route. Ça va pas trop dans la narration de commencer à chercher les papiers. De la partie 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait épargner, évidemment. Évidemment, j'ai fait épargner. Cinq minutes plus tôt. Et oui, il y a un troisième personnage. Il y a Lottie. I can't hear him. Shut it. Jerry's got ears like foxes. Et oui, c'est Stray avant l'heure. Fait sa petite vie hein, pendant que c'est la guerre en dessous d'elle. Elle veut manger ce pigeon. Now I was shocked. I didn't know what the hell was going on. That guy was the enemy. He could have shot me, but he didn't. Dear Catherine, I have survived, though it's a miracle I have done so. I spared the life of the man who saved me. The Lord works in mysterious ways. Also, mir ist es nicht sicher. Verstehst du? Nicht sicher. Wir müssen weg. Sorry. I don't understand. What's going on? Alors, on a épargné Harry et Harry nous sauve derrière.
pas du tout ça. Celui-là, il va là. Ça. J'ai juste un truc croisé. Voilà. Es gibt's nicht. Abgeschlossen. Von der anderen Seite müsste sie aufgehen. Okay. Sie bombardieren das Gebiet. Es ist viel zu gefährlich. Choix du personnage. Quand le sélecteur de personnage est activé en bas à gauche de l'écran, vous pouvez choisir qui vous voulez incarner avec le D-pad. Du coup, hop, pas sur Harry. This place seems to be secure enough to wait until the end of battle. Hey, hey, hier drüben, mach die Tür auf. J'arrive, j'arrive. Danke, mein Freund. Without the bird distracting the German, who knows what would have happened? I know this is going to sound silly, but I truly believe that bird saved my life. Poor thing got injured real bad. I figured I'd return the favor. Deux heures plus tard. And so we are trapped underground. He's a good man. He found a gravely injured bird, which he nurses back to health. It's futile, but I have not the heart to stop him. Les sous-titres de cette couleur, donc rouge, indiquent que le personnage incarné ne comprend pas ce qui est dit. Danke. Vielen Dank. Du hast mir das Leben gerettet. Sorry. I don't understand. What's going on? Donc sur ces moments, c'est moi qui fais le choix parce qu'il n'y a pas le temps hein, de vous laisser répondre. Die Bombardierung hat aufgehört. Wir sollten uns mal umsehen. I'm sorry. I don't understand you. What the hell was I doing? He was a German. We were at war. Only somehow, we weren't enemies. We found food, but... Who can say where the next meal will come from? On va trouver de l'eau et rapporter. Prenons une bière, le langage de la bière est universel. Ah bah ça certainement, mais faut-il encore en trouver? Là, ça a été repouché.
Komm, hilf mir mal. Machine. Danke für deine Hilfe. Ah, tunnel. Je pensais avoir le quatrième art souterrain. Ah, l'outil. Pas montrer ton visage. Et on a eu un succès du coup parce que j'ai pris carte en photo. Partie 3. Les tunnels. La guerre de tranchées a débouché sur un nouveau type de combat, des combats souterrains. Les soldats ont creusé d'importants tunnels profonds dans de nombreux endroits du front occidental. Les tunnels avaient plusieurs utilités. Ils protégeaient des obus ennemis, ils permettaient de se rendre sous les lignes ennemies, d'espionner et de récupérer des informations stratégiques, et parfois de placer des explosifs et détruire la ligne de front par-dessous. Là où le sol est trop meuble, les soldats ajoutent du ciment et construisent de véritables forteresses souterraines. Water! I found water! Can you help get the bucket upstairs? Understand? Bucket? Hop. On va aller ramener. Voilà. Hartung, espion américain. Hop, on remonte. On récupère Kurt. Qui va remonter l'eau. Et la récupère. We are stuck here, Katrin, and I do not know how long for. We found water, but it will not last forever. I'm Harry. Harry. Oh, ich verstehe dich nicht. Ich heiße Kurt. His name was Kurt.
I don't know if he meant for me to keep the envelope, but I never gave it back. Oh, and I almost forgot the best bit. We found a cat. I swear to you, it's true. A real, live cat, stuck there, just like we were. Though I never believed it would, the bird has made a full recovery. Unable to escape, it now flies from the boy to me and back again. It's quite remarkable. I've never seen anything like it. I think we all lost track of time down there. Days passed, maybe even weeks. Food is low, water almost gone. If this letter finds you, know that we tried. And please tell Luzi. Ah, c'est votre moment de choisir la lettre. Est-ce qu'on lui dit qu'on est en paix, j'ai trouvé un endroit tranquille où passer le temps, ma chérie. Je suis dans un tunnel secret sous la terre. Des hommes font la guerre en surface, mais moi, je suis en sûreté, bien caché. On lui parle de la guerre. La guerre continue, ma chérie. Le danger est partout et je fais ce que je peux pour survivre. J'ai été courageux lors de la dernière bataille, mais je suis resté coincé dans des tunnels allemands. Fini. La guerre continue, mais certains disent qu'elle sera finie avant la fin du mois. S'ils ont raison, on devrait se revoir bientôt. Pour l'instant, je suis à l'abri dans un tunnel secret. Donc j'attends la première réponse du chat. Paix, guerre finie, paix. Et bien c'est parti pour la paix. Mafia, c'est toi qui as le prochain choix. Entre chat, j'y ai rencontré une chatte qui vit sous terre comme moi. Elle te plairait, elle a un sacré tempérament et elle est beaucoup plus maligne que moi. Est-ce qu'on lui parle des rats ? Pour me nourrir, j'essaie de capturer des rats. Je sais que ça a l'air dégoûtant, mais j'en mangerais une centaine si ça pouvait me ramener à la maison. Ou rire, survivre sous terre n'est pas simple, mais j'ai rencontré une chatte et un pigeon. Ils te feraient rire, c'est grâce à eux, si je garde le moral en ces temps difficiles. Le chat, tu confirmes ? Ok. Alors, soit on peut lui parler d'une issue, je te promets de trouver le moyen de sortir de ces tunnels, Lucie, et bientôt, je reviendrai auprès de vous. C'est juste un test que je vais m'empresser de réussir. Piégé, je ne vais pas te mentir, Lucie, je suis pris au piège et je ne sortirai peut-être pas de ces tunnels. Si c'est le cas, ne sois pas triste, je serai parmi les anges et que je veillerai sur toi. Ou sinon, fils, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Harry. Il me fait un peu penser à ton frère. Je n'oublie pas Max. Dès que je sortirai de ces tunnels, je reprendrai mes recherches pour le retrouver. Le premier qui répond. Fils. Ouais, c'est parti pour le fils. Ah oh bah... Vous étiez deux à avoir dit le fils. Hey, Kurt, I made a rat trap. Or, at least I tried. If we can find a good place for it, we might have something to eat. If you'd told me that one day I'd be underground catching rats for food, hell, I'd have laughed you out of the room. But there we were, stuck and hungry. We'd got the idea from the cat, trapped down there with us. She seemed smart. T'as pas beaucoup d'importance, je crois. Ah, c'est reparti pour le chat. Thank you.
pas fait forcément ami avec le pigeon, elle. Non, elle peut pas ramasser les papiers. I couldn't believe my eyes. There must have been enough food and water to survive for months. Some had been opened, some eaten by rats, but most was intact. Whatever else happened, we wouldn't starve. I couldn't believe it. We hit the jackpot. Every shelf and every crate was filled with food and drink. We could live like kings down here. Survive for weeks, months even. All we'd have to do was eat and wait. It wasn't soon after that we heard it. Digging. Someone was coming. It didn't matter who, German or allied. One of us would be the enemy. We had to escape. And fast. Hop, on récupère les petits papiers. Kurt, hey, I found some keys. Vier Stück. Wozu gehören die wohl? Alors, communication. Les lignes de communication entre les tranchées sont parfois enterrées. Les soldats ont imaginé des systèmes ingénieux d'effondrement pour que les lignes se détruisent automatiquement en cas d'attaque ennemie. Oui, c'est pas de la bière, mais ils sont contents. C'était du vin. Du pain, du vin et du fromage. Quoi de mieux pour se requinquer ? Exactement, la French Touch. Moment. Jetzt erkenne ich diese Tunnel. Hier muss irgendwo Sprengstoff sein. Sieh mal diese Schilder. Die Pioniere benutzen diese Tunnel. Dann muss es hier auch Sprengstoff geben. Alors. Je cherche juste des papiers, vite fait. I found daylight. Maybe we could blow the wall down somehow. Pas de papier. Chercher les explosifs, hein, dont Kurt parlait. Ah. Come help me. Un peu trop tôt. C'est pas tout de suite ça. Géophone. La possibilité d'espionner l'ennemi qui se trouve au-dessus et ainsi obtenir des informations fondamentales est rendue possible par le géophone, une sorte de stéthoscope qui permet aux soldats de capter les vibrations des bruits à travers la roche. L'opération devait être exécutée dans un silence total pour ne pas se faire repérer et à l'aide de lumière électrique car les bougies ne peuvent pas être utilisées à 15 mètres de profondeur. Bout de papier, ok, ça c'est fait. Hop, on passe sur Harry qui nous descend. On repasse sur Kurt puisque c'est lui qui a les clés. Papier sur la TNT.
Attends, il y a peut-être des choses que je dois prendre en fait. Non? Ok, c'est là qu'il faut que je tire. Hop, je suis en position. Great work, Kurt. Just what we need. Kurt found what looked like explosives, real TNT. If we could find a place to use them, we could get out of here. On tire jusqu'à l'endroit voilà, du changement. Voilà, parfait. Les cartes. Et on pousse à deux. I never truly understood the German, but there was one phrase he kept repeating. I kept telling him, "Thank you, hero." Danke, hero. I wanted him to understand he saved my life. And I think I understood, but I was no hero. When that roof came down, if he had not pushed me out of the way, hell, I tried to run, and he just kind of tripped into him. I do not think I would live to write this. Hell, if you wanted to see me as a hero, fine. Who was I to argue? It's strange to think we will never see each other again. Geh zurück. Ich lege den Sprengstoff. Wait, let me get a picture first. Photo? Photo? Nein, wir müssen weg. Attends, je suis pas assez près. Schnell, Harry. Komm, mach dein Bild. We escaped, Katrin. We survived. Kurt's plan worked. Blew a hole clean outside. I couldn't believe it. Me? I found my way back to the front. Turns out they thought I was dead. Told Barrett everything. Apart from the bit where I made friends with a German. He said I needed a break. Asked me if I'd ever seen the Eiffel Tower. Although I did not encourage her, the cat followed me back to the trenches. In August, they will send me to the Somme. All I have to do now is work and wait. I couldn't tell you why. But that bird seemed to want to stick around. So I took it upon myself to train her. Hell, maybe she'd even be useful. Août 1917, 15 mois avant la paix. Et voilà qui s'achève ce double épisode en fait, hein, YouTube. Normalement, j'aurais dû arrêter au moment de la fin de l'assaut et où Harry pousse Kurt sans le faire exprès, en fait, comme on l'apprend. Mais du coup, je pensais que c'était intéressant de vous lier les deux, comme ça vous avez tout de suite la suite. Donc l'assaut est sous terre, ce qui sera certainement le titre de l'épisode. Et puis ben, comme ça, on est à un moment où on va de nouveau choisir entre nos deux personnages. En attendant, portez-vous bien, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite, et puis je vous dis à la prochaine.